Donc, bonsoir dans cette nouvelle vidéo. Donc, bon, pour rapidement me présenter, moi c'est Souro Apap et ça fait 5 ans que j'investis maintenant sur la BRVM, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Donc, l'objectif de cette vidéo, de cette série de vidéos, c'est de vous introduire à ce qu'est la BRVM, en quoi ça peut vous aider à atteindre la liberté financière, l'indépendance financière si vous voulez. Donc, bon, à part cette série de vidéos, il y a d'autres ressources que vous pourrez consulter. Donc, il y a par exemple le site valuenzen.com que j'ai commencé il y a pas longtemps. Et la chaîne YouTube Value Investing Zen, donc que j'ai commencé il y a pas longtemps non plus. Donc, voilà. Donc, bon, l'objectif de la vidéo actuelle, ce sera de dire en quoi c'est intéressant d'investir à la BRVM plutôt que d'investir dans du trading, du forex, dans des crypto-monnaies et ainsi de suite. Tout ce qui bat à son plein actuellement, je veux dire. Donc, bon, déjà, le premier avantage d'investir à la BRVM, c'est que c'est un investissement passif. Passif en ce sens que vous n'avez pas besoin d'être là tout le temps à consulter comment les cours vont amener des actions pour pouvoir être rentable. Non, ce n'est pas ce genre de business-là. Donc, déjà, contrairement au trading du forex, où il faut être là, surveiller les cours, à faire des buy and sell, stop loss, et il faut être vraiment actif. Avec la BRVM, vous pouvez juste payer une fois et vendre, et ne plus jamais consulter le marché jusqu'à 3 mois plus tard et décider de vendre. Vous voyez, genre, je paye ce soir et j'attends 3 mois avant de revenir voir comment les cours sont. Et là, je décide de vendre éventuellement, ou peut-être même je décide de ne plus vendre. J'attends 1 an ou 2 ans. Bref, c'est complètement passif. Vous n'avez pas besoin d'être là tout le temps. Donc c'est vraiment, c'est un business vraiment passif. Donc, le second avantage, c'est que c'est un business caché. Caché parce que vous pouvez le faire et votre entourage ne saura jamais comment vous faites pour gagner votre argent. Ce n'est pas un business que vous faites. Ce n'est pas un magasin que vous avez ouvert au bord de la voie et tout le monde voit votre stock de marchandises. C'est en train de marcher, ce n'est pas en train de marcher. Tout le monde sait que vous avez un business. On peut venir vous demander de l'argent, des prêts. Et si jamais vous refusez, bah, vous devenez l'ennemi du peuple. Non, ce n'est pas ce genre de business-là. Personne ne sait que vous le faites. Vous pourrez très bien gagner vos millions. Personne ne sait. Absolument personne. Donc, ça fait partie des points que j'aime particulièrement concernant ce business-là. Et puis, bon, étant donné notre contexte socioculturel en Afrique, où on sait très bien comment on se voit entre nous, ce n'est pas très judicieux de montrer aux gens ce que vous valez tant, que vous faites tant. Genre. Donc, si vous êtes ce genre de personne-là à ne pas vouloir exposer ce que vous faites, bah, c'est tout fait pour vous. C'est la bienvenue. Donc, le troisième avantage que je soulève, c'est que c'est plutôt liquide. Vous savez, ce n'est pas un business physique, c'est de l'investissement que vous faites. Donc, c'est liquide, ça veut dire que vous pouvez prendre des positions sur le marché aujourd'hui et décider demain de vendre. Et dans moins d'une semaine, vous aurez encore vos sous à disposition. Vous voyez. Vous aurez vraiment des francs CFA dans la main comme ça, quoi. Ce n'est pas comme si vous achetez un stock de maïs et vous devez attendre des semaines, des clients avant de pouvoir vendre et récupérer votre argent. Non. Ou de l'immobilier, si vous jamais construisez des maisons, bah, je ne sais pas quel temps ça va prendre pour vendre la maison. Ou bien pour. Bref, c'est vraiment liquide. Dans quelques semaines, si vous investissez maintenant et vous dites dans 4 jours même, je vais récupérer mes sous, dans 4 jours, vous aurez vos sous, vous aurez vos francs CFA dans vos mains. Et puis le dernier avantage que j'ai prévu présenter dans cette vidéo, c'est que c'est un business. Non, ça revient au fait que c'est un investissement. Donc ce n'est pas un business physique où je peux commencer, je ne sais pas encore si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Étant donné que c'est un investissement dans des actions, moi-même j'ai choisi évidemment de payer des actions des entreprises qui vont réussir. Parce que j'ai analysé ces entreprises-là. Donc, je vais investir sur des gagnants. Je suis déjà un peu sûr de ce que ça va donner de l'outcome, comme on dit en anglais.
du résultat final parce que je sais que je suis en train d'investir sur des entreprises qui vont gagner, qui sont en train de croître. Le bénéfice est en train de croître, le chiffre d'affaires est en train de croître, ce genre de choses-là. Ce n'est pas comme si j'avais commencé un business depuis le début, from scratch, et puis je ne sais pas encore si le business va marcher ou ne va pas marcher. C'est un trop grand risque pour votre capital. Mais plutôt, je vais mettre mon capital dans un business qui marche déjà. Ça, c'est juste incroyable, non? C'est comme si on jouait à une loterie, on est déjà sûr de quand on va finir de gratter, est-ce qu'on va trouver? Bah, c'est merveilleux, tout simplement. Donc, voilà quelques avantages d'investir à la BRVM. Et puis, dans une vidéo précédente, excusez-moi, j'ai présenté déjà ce que c'est que la BRVM. Donc, si vous ne savez toujours pas ce que c'est que la BRVM, allez consulter cette vidéo-là. Je vais peut-être mettre le lien en commentaire de cette vidéo. Et si vous aimez déjà ce dont on a parlé jusque-là, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Merci bien.